Christian life is not a playground. It's a battleground. So today, I will give no place to fear or failure. I will not accept a trace of apathy in my attitude or actions. I will reject complacency and embrace the greatness that God has planted inside of me. I will waste no opportunity to glorify God and maximize everything He has entrusted to me. I will fight. My battle is not against flesh and blood, but against a spiritual enemy who opposes me. So I will draw the battle lines and face my enemy with a bold determination. My enemy fights against me because he fears me. Every time I resist him, he must flee. And every time he reminds me of my past, I will remind him of his future. I will make no excuses, but through every obstacle, I will find a way. I will not procrastinate my progress. I will not defer my destiny. I will not waver when I'm weak. I will not cower when my circumstances take a turn for the worse. Because greater is he that is in me than he that is in the world. I will fight. Even if I lose the battle, I will win the war, because I am more than a conqueror through him who loves me. I will reject the lies that echo in my mind, telling me that I don't have what it takes, that my best is behind me, or that humiliation awaits me. The devil is a liar, and my God always causes me to triumph. Through Jesus Christ, my Lord, I will fight. I'm unashamed to represent a kingdom that is unshakable. No one will be able to stand against God's plan for me all the days of my life. With my God, I will advance against every troop. With his help, I will scale every wall. Though my enemies surround me, my God surrounds my enemies. Though they may come at me one way, they will flee seven ways. Because no weapon formed against me will prosper. And every evil thing that rises against me, I will condemn, I will fight. My heart is steadfast. My purpose is immovable. I am always abounding in the work of the Lord. And my potential is unlimited because the limitless God lives within me. I will fight. The cross is before me. The world is behind me. I'll never turn back. I'll never give up. I'll never settle. I'll never stop short. I will press toward the mark for the prize that is already mine. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, neither height, nor depth, nor anything else in all creation shall be able to separate me from my God. And if my God is for me, who can be against me? I will fight. Yes, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour acclamer celui qui nous donne la victoire? Hallelujah! Que celui qui est dans l'abattement aujourd'hui dise, je vais me battre. Tu es rentré dans ce lieu fatigué. Tu es tombé. Mais aujourd'hui, tu te relèves. Aujourd'hui, tu reprends la course. Aujourd'hui, tu reprends la marche. Parce qu'aujourd'hui, Jésus est vivant encore. Wouh! À toi la gloire, Seigneur. Reçois, reçois l'adoration qui t'est due. Merci. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci pour la puissance de ta résurrection. Merci pour ton nom qui surpasse tout autre nom. Merci pour ton Église qui est encore en vie. Seigneur, nous voici devant toi afin d'en avoir plus de toi, Jésus. Et reçois plus de notre part aujourd'hui. Nous voulons sortir de ce lieu, oui, en recevant plus, mais en t'ayant donné plus de nous, Seigneur Jésus. Viens grandir dans nos vies. Seigneur, tu ne cherches pas des grandes églises. Tu cherches des gens où tu vas être grand à l'intérieur dans leur vie. Et nous te disons merci pour ta présence. Amen. Yes. Je vous invite à vous rasseoir. Hébreux chapitre 12, les quatre premiers versets nous disent ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une grande nuée, d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les yeux, les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y était attachée. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3, pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. Et j'ai envie de rajouter que nous sommes.
afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat pour le péché. Mon défi aujourd'hui est de décrire en 30 minutes ce qui nous détruit depuis des siècles, le péché. Message qui pèse particulièrement sur mon cœur aujourd'hui. Une ouverture aujourd'hui qui n'a rien à voir avec de vouloir booster une foule ou faire un show. Il y a dans mon cœur une révolte à l'égard des dégâts commis par le péché dans chacune de nos vies et dans l'univers au complet. Je ne suis pas fâché contre personne, soyez rassurés. En passant, bonjour. Mais il y a un feu qui brûle en moi. Et je n'ai pas l'intention de le contenir dans mes os. Je prie que le Saint-Esprit qui a déposé ce feu en moi, pas seulement aujourd'hui, mais depuis plusieurs mois, puisse aujourd'hui vous le faire vivre, le ressentir si vous ne l'avez pas déjà, si vous n'êtes pas déjà en train de l'expérimenter. Le péché. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que le péché n'est pas mignon. Le péché est laid. Et j'aimerais décrire la laideur du péché aujourd'hui. Oh, bien sûr, lorsque nous entendons le mot péché, croyant ou athée, chrétien ou athée, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est un couple nu dans le premier jardin. Une image presque romantique de ce couple nu dans le premier jardin, s'apprêtant à croquer dans ce qui allait devenir des siècles plus tard le symbole de tous nos appareils numériques et informatiques, ou la plupart de nos appareils informatiques, la pomme. Bon, ce n'était pas une pomme dans le jardin, c'était un fruit. Mais dans l'imaginaire de tous et chacun, c'est une pomme. C'est la première image qui nous vient, que l'on soit chrétien ou non. Parce que athée ne veut pas dire ignorant. Même un incroyant connaît intellectuellement les récits bibliques, ou certains récits. Et automatiquement, immédiatement, le réflexe que la personne va entendre ou à qui l'on parle du péché va être cette image-là, accompagnée d'arguments du style « Mais comment se fait-il que l'humanité ait pu se multiplier à partir de deux individus ?» Un serpent qui parle, et on tourne en risée des récits bibliques. Mon propos ce matin ne consiste pas tant sur le récit de la création, du processus de la création, de la procréation et du serpent parlant, etc. Mon message ce matin, le message que j'ai sur mon cœur ce matin est de décrire la laideur du péché. Sans m'attarder à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'était loin d'être magique, loin d'être romantique. C'est l'événement le plus tragique qui est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité. Et je crains qu'aujourd'hui, dans notre génération du superficiel, du « va très vite », du « tout est correct », même comme chrétien, même comme église, on peut en venir à oublier l'importance et la tragédie qui a pris place dans ce jardin-là. Retenons aujourd'hui qu'il y a eu une tragédie dans notre histoire humaine. Une tragédie qui s'est déclenchée par la transgression volontaire de l'homme à l'égard d'une loi divine, celle de Dieu, le Créateur. Une tragédie qui s'est déclenchée par la transgression volontaire de l'homme, au même titre qu'un président appuierait sur le bouton de la bombe nucléaire. L'homme, par son choix, a transgressé une loi qu'il avait reçue de Dieu. Appelons loi, commandement, principe, il a transgressé. Et depuis là, il y a eu un cataclysme inimaginable. Je dis inimaginable parce que nous vivons avec les conséquences, on n'a aucune idée de ce que c'était avant. Donc on ne peut pas imaginer ce que c'était avant. Donc c'est difficile d'imaginer l'importance des dégâts actuels, puisqu'on n'a pas connu avant. On peut quand même en avoir une idée. Le péché est un cancer généralisé à l'échelle de l'univers, dont les métastases se répandent dans toute cellule existante, dans toute cellule vivante. Le péché originel, c'est un cancer généralisé qui est venu dénaturer notre identité.
cancer généralisé à cause de ce péché originel. Il y a les péchés habituels, il y a le péché originel, il y a les péchés habituels, ceux que l'on commet chaque jour. Je dis que c'est un cancer, mais je veux préciser que le péché n'est pas une maladie. Le péché n'est pas quelque chose que l'on peut s'enlever soi-même ou se mettre en quarantaine, puis ça va aller mieux. Ce n'est pas une maladie. Le péché, c'est à cause de la chute, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. C'est notre condition. Le péché est actif et cruel. Le péché n'est pas quelque chose de neutre. Il est en mouvement, est actif et cruel. Cruel parce que tyran, c'est un trompeur, il me fait croire que c'est bon, mais en bout de ligne, c'est la guillotine qui t'attend. C'est la dépression dans l'âme qui t'attend. C'est la honte qui t'attend, c'est la culpabilité qui t'attend, c'est la défaite qui t'attend. Cruel, impitoyable. Le péché est un poison enivrant qui finit par nous détruire à la longue. Le péché est dégradant, salissant, j'ai envie de dire, permettez-moi le terme, dégueulasse. Polluant. Le péché vient endurcir nos consciences, la Bible mentionne. Le péché est universel. Tout le monde est touché, l'univers. Le péché a affecté chaque être humain, le cosmos au complet, la galaxie au complet, du plus grand être vivant jusqu'à l'insecte. Tout ce qui vit et respire a été affecté par la puissance du péché. Le péché est personnel. Le péché touche chaque aspect de nos vies. Le péché affecte notre intelligence, affecte nos émotions, notre façon de penser. Tout, corps, âme, esprit, avec tout ce que cela implique. Mon désir aujourd'hui n'est pas tant d'apporter une définition du péché. Oh, je le sais, péché veut dire, si je ne me trompe pas, amartia, quelque chose comme ça, mais en français, veut dire manquer la cible. C'est une définition qui est juste. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour apporter une définition théologique ou ce que le dictionnaire Larousse mentionne ou l'origine étymologique du mot en grec, en hébreu et en que sais-je d'autre. Ce n'est pas tellement l'importance. Ce qui est important, ce n'est pas tellement de connaître la définition, mais de comprendre que c'est ce qu'il nous définit. Parce que c'est notre condition. On dit, ouais, mais Jésus a tout accompli. Okay. C'est là le problème en tant que chrétien, c'est qu'on saute trop vite à la prochaine étape parfois. Et on ne réalise pas. Vous savez pourquoi le mot péché nous dérange? Ce n'est pas tellement parce que le terme est désuet, ringard ou plus à la mode. Ce n'est pas tellement pour ça que le mot péché nous dérange. Oh, c'est voyons le péché, on est en 2007. Non, non. La vraie raison pour laquelle, les trois vraies raisons, il y en aurait peut-être d'autres. Mais celle que je relève comme ça rapidement, mais pas rapidement, je me suis quand même préparé un peu. Mais c'est les trois raisons pour lesquelles le péché nous dérange. La première chose, le péché nous confronte à nos faiblesses. Différents synonymes dans la Bible, dans le dictionnaire, péché, erreur, faute, infraction, mettons-les les synonymes. Mais le péché, la raison pour laquelle ça nous dérange, c'est parce que ça nous met, on est confronté à nos propres échecs et personne n'aime être pris en défaut. En tout cas, moi, là, je n'aime pas ça. Peut-être que je suis tout seul, mais je déteste être pris en défaut. Et je pense que c'est notre lot à tous. Donc, ça nous met face à nous-mêmes. Première raison. Deuxièmement, le péché nous confronte à notre impuissance. Parce qu'on a bien beau vouloir se mettre des standards moraux, des objectifs annuels et ceci, boum, à un moment donné, tu frappes le mur. Assez rapidement, d'ailleurs. Pas besoin d'attendre 24 heures. On frappe assez vite le mur. Une pensée, une parole... Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être 2 semaines environ à peu près, c'est à l'intérieur du dernier mois. Je venais de lire ma Bible, on est tranquille à la maison, on s'en va pour aller quelque part, peu importe où, c'est pas ça qui est important. J'arrive dans mon garde-robe, puis j'étais vraiment calme, il n'y avait rien, ça, j'étais vraiment calme. Je m'en vais pour prendre mon manteau, ma fille est là, plus proche de moi, m'arrive un peu plus tard, un peu plus loin, etc. Mais je m'en vais pour prendre mon manteau, puis boum, j'ai une mauvaise parole qui est sortie de ma bouche. Mais ma première réaction, c'est « Voyons, c'est quoi ça? Ça vient d'où? » C'est ce que je suis. Un pécheur. Alors le péché nous dérange parce que ça nous confronte à qui nous sommes et à notre impuissance. Et troisièmement, le péché nous dérange parce que ça nous confronte au fait que nous sommes redevables à quelqu'un d'autre, Dieu. Parce que lorsqu'on est confronté à nos faiblesses, à nos échecs, essaie de t'en sortir parce que tu veux être meilleur.
Là, tu es confronté à ton impuissance, tu tournes vers où? Là, tu dis, OK, là, j'ai un problème majeur. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose pour moi? Et là, on se retrouve devant Dieu. Ou on ne veut pas se retrouver devant Dieu, sous prétexte qu'on n'y croit pas ou pour toutes les raisons qu'on veut dresser. Nous avons beau dire que le mot péché n'est plus à la mode, mais il n'en demeure pas moins que c'est un mode de vie. Péché, c'est plus à la mode aujourd'hui de parler de ça. On est dans une époque contemporaine, à l'heure de l'informatique. C'est pas la mode, c'est pas in parler du péché. Pourtant, c'est drôle de constater à quel point c'est un mode de vie pour chacun, chacune d'entre nous. Tous, on se dresse contre le péché, dans le sens qu'on on se dresse, on n'aime pas. On n'aime pas en entendre parler, on n'aime pas y être confronté, on n'aime pas ce que ça implique. Pourtant, quand votre meilleur couple d'amis se divorce, ça vous enrage, ça vous attriste. Pourtant, quand des femmes dans le milieu journalistique du sport se font traiter de tous les noms, comme on l'a vu dernièrement sur TVA, de tous les mots qui seraient... Je ne pourrais juste même pas les mentionner, même pas les écrire à l'écran tellement que c'est insupportable. On réagit. Lorsque vous faites face à l'intimidation au travail, ou vos enfants, ou vous comme jeunes à l'école, on n'aime pas ça. Lorsqu'on voit des enfants abusés, autant on n'aime pas ça. Lorsque vous partez en vacances et que quelqu'un s'est permis de se servir pendant que vous n'étiez pas là, un voleur est passé, on crie à l'injustice, on crie au vol. Lorsqu'on constate qu'un de nos amis ou êtres chers se meurt d'une maladie dont il n'y a aucune solution à part quelques répits, ça nous révolte. On n'aime pas voir ça. Lorsqu'on voit des bombes sauter dans les places publiques, ça vient nous chercher, ça nous terrorise. Lorsqu'on voit des gens battre d'autres personnes à cause de leur orientation sexuelle, lorsqu'on voit des gens à cause de leur orientation sexuelle se faire battre, personnellement, moi, ça me fait réagir, même si je ne suis pas en accord avec l'orientation sexuelle prise. Les gens se font battre à cause de leur orientation sexuelle. Les mêmes personnes qui battent sont aussi pires que ceux qui commettent des atrocités sexuelles. Faites attention, parce que quand on parle du péché, avant de venir ici, sérieusement, et encore présentement, mais ce qui m'habite, j'ai dit, Seigneur, donne-moi juste d'être humble, puis relax. Parce que vous savez que des fois, comme prédicateur, on peut prêcher du haut de la plateforme, puis pendant quelques minutes, on peut oublier qu'on est aussi, nous, des hommes. Qu'on est pris avec ces réalités. Donc, avant de juger qui que ce soit, eh bien, commençons par nous juger nous-mêmes. Lorsque, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de directeurs d'entreprise qui aiment savoir qu'ils se font voler du temps. Si vous rentrez à la maison et que vous voyez votre femme, vous trouvez votre femme en train d'échanger des propos intimes sur Facebook, c'est pas agréable. Ou même ta blonde, même si t'es pas marié, c'est même plus une question de mariage rendu là. C'est une question d'honneur, de trahison. Ou lorsque tu apprends que ton homme, au lieu d'être en voyage d'affaires, était dans le lit d'une autre femme, ça nous fait réagir aussi. Lorsque vous vous faites juger pour votre richesse ou pour votre pauvreté, c'est pas agréable non plus, on n'aime pas ça. Se voir refuser un poste de travail, non pas à cause de nos compétences, mais pour des raisons raciales, on n'aime pas ça non plus. De voir des milliers d'éléphants, et je ne suis pas un pro-protection des animaux, mais une limite dans une vie. De voir des milliers d'éléphants être tués pour la valeur de l'ivoire qu'ils représentent, on a beau ne pas être pour la protection des animaux, il y a une limite, ça nous fait réagir. Voyez-vous comment est-ce que le péché est un mode de vie, de plus grands événements à des choses beaucoup plus infimes. Le péché est là, enraciné au plus profond de nous-mêmes, au plus profond de notre cœur. Ça, c'est sans compter le nombre de chrétiens, le nombre d'ouvriers dans le ministère qui ont cessé de servir Dieu, qui ont cessé de servir Christ parce qu'ils ont dérapé, ils se sont laissés piéger par les tentations du péché et aujourd'hui ils sont inefficaces pour le royaume de Dieu. Ça me révolte.
Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Le mois passé, lorsque nous nous sommes vus, « Décharge-toi », elle était le titre du message, un appel à se décharger de nos soucis, que l'on retrouve ici, rejeter tout fardeau, et un appel à résister au diable pour ne pas accepter les mensonges qui veulent nous faire croire à propos de qui est Dieu. Aujourd'hui, je veux mettre l'emphase, oui, les fardeaux sont là, on en a déjà parlé, mais je veux mettre l'emphase sur le péché. Comme vous l'avez remarqué, je pense que là, si quelqu'un n'a pas compris de quoi on prêche aujourd'hui, il y a un problème. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Pasteur Denis, est-ce que tu veux venir m'accompagner, s'il te plaît? Il faut qu'on l'illustre, parce que le péché en bloque plusieurs chrétiens, plusieurs croyants aujourd'hui, ici ou ailleurs, sont bloqués par la puissance du péché dans le rappel que Dieu leur adresse. Enveloppe-moi. Moi, je vais essayer de courir. Comment est-ce que je peux courir? Et le péché, lâche-moi, là. Non, c'est bon. Non, 30 secondes. Mais le péché, c'est, avant d'en arriver comme ça, il arrive, pose sa main. Ah, c'est bon, t'es mon ami. On va bien s'entendre, mais toi, t'es un peu grand pour moi. T'es un peu grand enveloppé. Et là, tout d'un coup, là, bang. Et là, le péché, merci beaucoup, Pasteur Denis. Et le péché ressemble à un boa qui tranquillement t'entoure, t'en serre dans ses anneaux. Et ta conscience s'endurcit, et ton appel est en train de mourir, et ta joie chrétienne est en train de crever. Et là, tu dis, c'est tellement dur la vie chrétienne, je suis plus capable. Et ce matin et aujourd'hui, si tu te trouves dans cette situation, je déclare que Jésus a une solution définitive pour ta vie. Nous sommes environnés d'une immense, une grande nuée de témoins. Voyez-vous, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et compagnie, Inc., sont en train de nous regarder depuis le ciel. Non, pas du tout. Cette grande nuée de témoins n'est pas une nuée de spectateurs qui regardent ce que nous faisons. Cette grande nuée de témoins sont des témoins non pas en tant que spectateurs, mais en tant que modèles à imiter. Ils ne sont pas témoins de ce que nous faisons, ils sont témoins de ce que Dieu fait et a fait dans leur vie. Il dit « nous donc aussi hein, ». Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 4 et plus, précèdent directement Hébreux 11, les héros de la foi. Une immense liste que je vais résumer, qui n'apparaît pas à l'écran, mais juste qu'on puisse se remémorer qui sont ces témoins, des hommes comme vous et moi. Des hommes qui ont marqué l'histoire, des hommes qui ont dû se battre avec le péché, des hommes qui ont vaincu le péché, des hommes qui ont vaincu l'enfer, des hommes qui avaient soif de voir Jésus mais qui ne l'ont pas vu de leurs yeux, comme ça a été le cas de tous ceux et celles qui sont nés dans le Nouveau Testament. Mais tous ces témoins, voici ce qu'on dit d'eux. C'est le verset, chapitre 11, versets 33-37. « Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions, éteint des feux violents, échappé aux tranchants de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Ils se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressuscitée pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturées. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Certains ont été tués à coups de pierre. D'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peau, de mouton ou de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. » Voici la nuée de témoins dans laquelle que la Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Pourquoi une telle emphase? Parce que je suis réjoui de savoir, d'avoir, nous sommes heureux et privilégiés d'avoir Jésus comme modèle. Mais Jésus est un modèle parfait. Jésus est un modèle parfait. Jésus, c'est le prototype parfait. Mais s'il y avait que Jésus, oui, j'aurais un espoir, mais jusqu'à... Mais de voir que j'ai des amis autour de moi, des frères et sœurs autour de moi, de voir certaines personnes parmi vous qui êtes avancées en âge et avaient encore la foi et déterminées à suivre le Seigneur. Vous faites partie de ces témoins, vous êtes vivants, merci Seigneur. Mais c'est bon de savoir de ces hommes-là, de ces femmes-là, de ces personnes-là, de tout arrière-plan, y compris une prostituée dans le lot, qui sont témoins de ce que Dieu a fait dans leur vie à cause de leur foi. Et je me dis que si eux sont passés à travers la course chrétienne, Philippe de la Fontaine va être capable de passer à travers la course aussi.
Pas à cause de moi, pas à cause de ce que je suis, pas à cause que je suis prédicateur ou pasteur, mais parce que la foi qui m'habite est la même qui les habite. Et la foi que j'ai dans ce Dieu-là est le même Dieu. C'est le même objet de foi que j'ai, le même sujet, c'est Dieu, c'est le même. Donc, il n'y a pas de raison. La foi. Le verset continue, verset 2. Donc, c'est en le regardant que nous pouvons courir, en regardant Jésus. Regardez ici, faisons-le, verset 2, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Les regards fixés sur Jésus, de la même façon que Jésus avait les regards fixés sur la joie qui lui était réservée. Notre route va aller là où nos yeux sont dirigés, sont verrouillés. Je ne peux pas aller là où je ne regarde pas. Je peux, mais c'est risqué. Il y a un principe ici du regard qui est très fort. Les yeux sur Jésus. Et nous tombons dans toutes sortes de chutes à notre langage humain, des grandes et des petites chutes. Parce que nous avons perdu de vue Jésus. Le péché est cruel, le péché est tortueux, le péché, c'est un traître. Et c'est un peu, vous savez, on dit les contraires s'attirent. Hein? C'est un peu comme un aimant. Deux aimants, négatif, positif, poum, ça colle. Eh bien, à cause de notre condition de pécheur, notre nature pécheresse, lorsqu'il y a quelque chose, il y a un appât, il y a comme... Mets-toi sous la douche, ça va être mouillé. Touche au feu, tu vas te brûler. Regarde quelque chose de sensuel, ça va t'exciter. Écoute des propos violents, ça va t'enrager. Envie celui qui a plus, tu vas devenir comme. Tu vas devenir vaniteux. Vous comprenez le principe? Les yeux fixés sur Jésus. Et Jésus, lui, à son tour, qui a dû se battre aussi lui-même dans la prière du Notre Père, délivre-nous du mal. Lui-même n'était pas à l'abri de cette réalité-là. Et Jésus lui-même va regarder où? Il va regarder à la joie, à la récompense qui lui était réservée dans les lieux célestes, méprisant la honte qui se rattachait. Et parfois, nous oublions que nous avons une récompense qui nous attend. Mais là, il nous encourage à regarder Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Regarde à Jésus. On ne le dira jamais assez trop au portail. Regarde à Jésus. C'est Jésus. Jésus donne la force. Mais ce que j'aime ici, méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. J'allais dire, je vais spéculer mais par rapport à ce verset-là, mais ce n'est pas une spéculation biblique, c'est tout à fait biblique. Dans ce verset-là, il n'en parle pas, mais on peut le déduire. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Wow! Vous savez, le problème qu'on a, je pense, c'est que peut-être que vous n'avez pas de problème, je pense à ça. En fin de compte, je suis peut-être tout seul à en avoir. C'est qu'on s'est arrêté à la croix. Le sang de Jésus, le sacrifice, si vous préférez, le sacrifice de Christ nous purifie, nous pardonne, nous lave et son esprit va nous donner un cœur nouveau. Et là, on comprend maintenant que nous sommes une nature, à quel point on n'a pas besoin d'être amélioré, mais c'est une transformation, c'est un miracle qui prend place. Et là, alors qu'on connaît Jésus, il y a deux natures qui se combattent. Hein, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a un combat constant. À un moment donné, il y en a parmi nous, il y a un pourcentage qui vont abandonner la course parce que là, le combat est trop intense, trop constant, trop dur, trop épuisant. Et il y en a d'autres qui vont s'accrocher en regardant Jésus, qui vont passer à travers. Et je reviens. Donc là, on est sauvé grâce au nom de Jésus, on est sauvé grâce au sacrifice de Jésus-Christ et son esprit nous régénère, son esprit nous donne une nouvelle nature, des nouvelles pensées, une nouvelle perspective sur notre monde, sur notre environnement, etc. Et nous nous arrêtons là. Mais le sacrifice de Jésus, principalement, m'offre le pardon et une vie nouvelle. On est d'accord là-dessus? Mais maintenant, pour marcher dans cette vie nouvelle, ce n'est pas le sacrifice de Jésus qui va faire une différence. Mais c'est le Saint-Esprit qui va faire une différence. Et nous sommes appelés à marcher par le Saint-Esprit, par la vie de l'Esprit. Il s'est assis à la droite de Dieu, et je ne spécule pas, c'est biblique, il n'est pas là dans le texte, mais on peut le déduire très facilement.
Nous savons que depuis que Jésus-Christ a été ressuscité, il est... D'ailleurs, lui-même va le dire, il faut que je m'en aille auprès du Père afin que je vous envoie mon esprit. Mais pas par son esprit pour nous caresser, pour nous dire « Hey, prends ça cool, t'es sauvé ». Son esprit pour nous donner la puissance d'être un témoin. Que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos pensées, que ce soit par nos gestes, que ce soit par nos actions, peu importe, mais c'est le Saint-Esprit. Et parfois, le Saint-Esprit est comme cette personne qu'on met de côté, qu'on oublie, parce qu'on en a peur, parfois, pour certains d'entre nous. Parce qu'on ne le connaît pas trop bien, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites à son sujet. Mais j'aimerais te dire qu'un chrétien sans la puissance et la vie du Saint-Esprit, ça ne va pas loin. Où ça va aller? Je ne suis pas en train de dire que tu ne seras pas sauvé, c'est pas ça que je dis. Mais ça va être dur. Ça va être dur de marcher à contre-courant alors que constamment nous sommes sollicités. Puisque nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est Jésus qui est venu. Et de la même façon, nous ne pouvons pas marcher dans cette nouveauté de vie sans Jésus et sans l'Esprit de Christ qui faisait marcher Jésus sur terre. Et ça, c'est un encouragement pour nous. Et je crois que j'ai profondément soif. Je suis convaincu que l'une des raisons pour laquelle il y a tant de croyants aujourd'hui qui n'entendent plus la voix de Dieu, j'ai bien dit qu'ils n'entendent plus la voix de Dieu, je ne parle pas d'une voix audible comme la mienne, et je crois qu'ils sont capables de le faire, mais qu'ils ne sont plus capables de discerner les désirs de Dieu, la volonté de Dieu, qu'ils ne marchent plus dans la victoire, c'est parce que nos cœurs ressemblent, nos vies ressemblent encore trop à des vases remplis de péché. C'est dur, hein, ce que je dis. C'est pour ça que je me révolte contre le péché. C'est pour ça que je mets une emphase aujourd'hui là-dessus. Parce que c'est tragique. On remonte à la création. Qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu, le péché? Qu'est-ce que Dieu va dire dans Ésaïe? Oh non, ce n'est pas ma main qui est trop courte, ni mon oreille trop dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Et vous savez quoi? Je crois que, et c'est ce qui a animé ce message-là, c'était l'élément déclencheur de ce message-là, lorsque j'ai réalisé il y a quelque temps, peut-être que c'est le Seigneur qui m'a fait réaliser, j'en sais rien, mais je l'ai réalisé. Puis je crois que ça avait bien du bon sens. J'ai réalisé que la terminologie du péché en est réduite, je ne sais pas si c'est à cause de l'époque dans laquelle on est ou parce que nous sommes dans une société nord-américaine occidentale, j'en sais rien, mais que la terminologie du péché en est réduite à une valeur morale parmi tant d'autres, un critère de moralité, de comportement. Et on a oublié la gravité de ce que ça implique, de ce que ça... Nous, on l'a lu tantôt. Considérer celui qui a enduré une telle opposition sur la croix à cause des pécheurs. Comme c'était une valeur morale. Non, c'est plus que ça, c'est une tragédie, tout a été affecté. C'est l'image de Dieu qui a été affectée, nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est notre identité. Et c'est pour ça que Dieu va jusqu'à prendre le risque, j'allais dire, ou l'engagement d'envoyer son Fils, parce que c'est ce que nous étions, ce qu'il y a de plus cher. Il dit, il faut que je restaure cette image, il faut que je restaure ce plan dans leur vie. Il n'y en a qu'un seul qui peut faire ça, c'est mon Fils. C'est mon Fils. Ce n'est pas juste une erreur morale. Lorsque vous lisez la vie d'hommes et de femmes qui ont été touchés par Dieu, par son esprit, par la révélation de la croix, elles vont éprouver une culpabilité intense. Saint Augustin, entre autres, je ne sais plus si c'est à cause d'un taille-crayon, taille-mine, qu'on dit quelque chose de banal pour nous parce qu'il l'avait volé, ça l'empêchait de dormir. Parce qu'il réalisait tellement la sainteté de Dieu. Il réalisait tellement la sainteté de Dieu. Et ce qui, dans cet élément déclencheur, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que nous voyons le péché, oui, comme une valeur morale parmi tant d'autres, mais nous associons à « j'ai péché », si par exemple je parle dans le dos de Pasteur Denis, « j'ai péché contre Pasteur Denis, ça je lui ai fait du mal, ça c'est pas correct, faire ça, c'est pas correct, c'est quand même ton collègue, c'est quand même ton ami, tu peux pas le critiquer dans le dos. Ah Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai, puis... » Mais ce qui est grave, ce qu'on réalise pas, et là j'ai pas le temps ce matin, mais les textes sont clairs. Lorsqu'on a péché, oui, il y a des péchés qu'on commet dans les autres, mais ultimement, ce n'est pas contre moi ou contre lui ou contre qui que ce soit, les uns envers les autres, qu'on pêche, c'est contre Dieu. Oh, ça vient de changer la norme. Il y a des lois qui sont là pour gérer la relation entre Dieu et les hommes auxquels Dieu nous appelle. Ça n'enlève pas sa grâce, mais il y a des principes qui sont là. Et lorsque nous enfreignons, lorsque nous transgressons ces principes-là, ce n'est pas tellement contre les autres qu'on pêche. Oui, c'est ça aussi, mais c'est surtout et avant tout devant Dieu. Les gens qui ont glissé, qui se sont éloignés à cause du péché, je parle de ceux qui ont cru et qui ont même servi, et vous avez certainement déjà entendu ça pour ceux qui êtes là depuis des années, mais juste en guise de rappel, ils n'ont pas péché parce qu'ils n'aimaient plus Jésus.
Ils n'ont pas fraudé, commis l'adultère ou d'autres atrocités parce qu'ils n'aimaient plus Jésus. Peut-être que certains, oui. Mais c'est pas tellement ça. C'est parce qu'ils ont arrêté de craindre en Dieu. Les apôtres qui... Pierre, plutôt, qui a trahi Jésus, c'est pas parce qu'il n'aimait pas Jésus. Parce qu'il a eu peur. Et le plus la crainte des hommes que celle. Ce qui nous garde, c'est cette crainte, ce respect. Je ne parle pas d'avoir peur de Dieu, mais ce respect que nous avons à Dieu, qui n'est pas saint, trois fois saint. Trois fois saint. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui nous donne la force. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui, verset 3, de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Combien d'amis, combien de croyants, combien de fois dans ma propre vie, j'ai été tellement découragé en constatant l'état de mon cœur, de mon comportement, de mes pensées. Je dis, j'arriverai jamais, je ne suis plus capable, c'est trop dur, c'est trop ceci. Il y a un découragement qui prend place et le découragement qui est engendré par le péché est un découragement qui est mortel. Mortel. Et le seul qui peut te relever, si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, vous me regardez derrière cette caméra, vous êtes dans celui, le seul qui peut te relever, ce n'est pas Pasteur Phil, ce n'est pas Pasteur Gates, ce n'est pas Pasteur Dan, ce n'est pas Pasteur Personne, c'est Pasteur Jésus qui peut te relever aujourd'hui. Quel découragement! Le péché a été vaincu, mais doit être encore combattu. Et je veux arriver à la fin de mon message, je veux nous inviter à saisir les prochaines minutes pour que notre vie continue à aller en croissance ou se relève si vous êtes tombé. Je crois qu'il y a une église ici qui est appelée, il y a un peuple ici, nous sommes ici appelés à sortir de ce lieu rempli du Saint-Esprit, à planche, rempli de Jésus-Christ. Rempli d'un espoir renouvelé, rempli d'une foi forte. Il dit, vous n'avez pas encore combattu, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. J'aurais aimé faire le chapitre 12 au complet. On va s'arrêter au verset 4. Voici où je veux en venir. Vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Contre le péché jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. I will fight. Ça, je l'ai appris en anglais, je vous mets en toutes les langues, je veux le savoir. I will fight. Je me battrai. Ouais, mais Jésus a tout accompli à la croix, tout est accompli. Alors, il y a plusieurs catégories de personnes, en tout cas deux. Et pas seulement de personnes, mais de différents états dans lesquels on peut se trouver nous-mêmes dans une vie. Tout est accompli, mais c'est ma nature, je peux rien. Et là, on est pris, et bon, puis on vit une vie chrétienne médiocre en se disant, bon, ben, c'est ma nature. Mais merci Seigneur, parce que tu m'as pardonné, tout est accompli à la croix, tu m'as libéré de la puissance du péché. Hein, Jésus est venu nous libérer de la puissance du péché. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vu que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, donc on considère que la puissance du péché amène la mort dans notre âme jusqu'à l'éternité, à corps, âme et esprit. Donc oui, tu m'as libéré des conséquences du péché. Seigneur, merci, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon. D'autres qui vont peut-être simplement dire, ben moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu viens de le dire, là. Ça fait presque 30 minutes ou plus ou moins que tu viens de dire que c'est ce qu'on est, c'est ce que nous sommes. Rien fait, moi. Tout bad, là. Merci Jésus, puis pourquoi je me battrais? Puis pourtant, tout est accompli à la croix, mais le Nouveau Testament, les Épîtres nous appellent à combattre, à résister, à fuir, à s'éloigner, à se tenir debout, à être réveillé. Il y a un combat qui est là. Nous-mêmes, sans aller jusque-là, nous-mêmes, on vit ce combat. Tous les jours, à chaque instant, on le vit ce combat. Pourtant, tout est accompli. C'est quoi le problème? Tout est accompli. Mais nous sommes appelés à nous battre. À nous battre. Vous savez, c'est quoi que le diable fait? Le diable, il n'y a pas grand effort à faire, encore une fois de plus, d'ailleurs. Il a fait l'essentiel au début, puis là, il regarde aller la machine. Le diable utilise la technique du singe. Vous savez, si je veux tuer un singe pour le manger, je le tire à l'arc ou je le tire au fusil. C'est réglé. Mais si je veux tirer un singe pour l'amener dans mon zoo, c'est des vraies méthodes qui sont utilisées, eh bien, on va mettre un piège à singe. Le piège à singe, en passant, ça, c'est le genre de choses que vous trouverez dans le bureau de Pasteur André, le genre de choses de torture là, que vous allez trouver. Je me suis permis d'emprunter son idée. Lui, il l'applique pour le relâchement des blessures, mais moi, je vais l'appliquer pour nous ce matin, pour le renoncement à nos péchés. Ça, c'est pour mentionner... Suite à ce que je vais mentionner dans quelques instants, nous croyons à la relation d'aide.
nous croyons à l'aide psychologique. Mais vous savez quoi? Puis oui, amen, on y croit. Mais je crains qu'on est tellement devenus des experts dans le domaine des dépendances, d'aider les gens dans leur dépendance. Quand je dis nous, ce n'est pas les pasteurs, je parle l'être humain dans ses stratégies. Si on peut juste commencer, juste doucement, parce qu'on va arriver tranquillement à la fin, que le Seigneur puisse commencer à préparer nos cœurs pour ce qu'il a pour nous aujourd'hui. On est devenus tellement des experts, nous avons des expertises sur comment libérer des gens de leur dépendance, de leurs addictions avec X, Y et multiples étapes, qu'on oublie que Jésus a vaincu la puissance du péché et de toute dépendance. Et je m'explique. Parce que je l'ai dit, mais je ne suis pas en train de me répéter présentement. Jésus a fait beaucoup plus. Il ne s'est pas contenté d'enlever le venin du serpent, les conséquences du péché qui s'appelle la mort. Jésus, c'est énorme, ça c'est le maximum qu'il pouvait faire. Mais il y a tout ce qui découle en dessous. Jésus n'a pas seulement enlevé la puissance du péché dans le sens qu'il a annulé la mort. Jésus a brisé la puissance du péché dans le sens qu'il a brisé jusqu'à l'attrait que nous pouvons avoir pour le péché. Il a brisé même jusqu'à l'emprise du péché dans notre vie. Il y a des choses dans nos vies, pas dans vos vies, dans nos vies qui nous attirent comme le singe est attiré par la cacahuète, comme l'abeille est attirée par le miel ou l'ours, comme la souris est attirée par le fromage. Nous sommes attirés par ce qui attise dans notre chair, dans notre être au complet. Nous sommes attirés par ça. Il y a un attrait. Mais je veux te dire que lorsque tu marches en Jésus, celui qui se définit en Jésus, le diable ne peut rien contre lui. Est-ce que je suis en train de dire que tu ne vas jamais tomber dans le piège? Est-ce que je suis en train de dire que tu ne vas jamais chuter? Non, ça c'est pour le lieu céleste. Mais nous sommes appelés à ressembler de plus en plus à Jésus. Sanctifiez-vous de plus en plus. Ça veut dire qu'il est possible de ressembler de plus en plus à Jésus. Ça veut dire qu'il est possible de grandir en sainteté, de ressembler à Jésus. Et Jésus dans nos vies est capable non seulement de briser la puissance de l'alcool, mais l'attrait de l'alcool, pour prendre un exemple classique. Plusieurs d'entre vous aujourd'hui pourriez dire, « Moi, j'étais alcoolique. » Puis Seigneur, est-ce qu'il t'a délivré? « Oh que oui! » Puis aujourd'hui, est-ce que tu as encore le goût? « Oh que non! » Je sais qu'il y en a aussi qui diront, « Ben, des fois, ou parfois même, des fois ça m'arrive. » Mais le point est, c'est que nous n'avons pas à avoir un comportement d'opportuniste, de dire « Ah, Seigneur m'a pardonné, et puis tout est accompli. » Nous n'avons pas à avoir non plus un comportement fataliste pour dire « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Nous devons croire que Jésus a brisé la puissance du péché, la mort, mais il a brisé la puissance du péché, l'attrait. Et si tu as été attiré par le péché, tu es tombé, tu es à terre, eh bien je déclare que non seulement il peut te libérer de cet attrait pour le futur, mais déjà maintenant, tu peux sortir de ce lieu en étant libéré de l'emprise que ce péché exerce sur ta vie. Et ça, c'est la folie, parce que le singe vient chercher les cacahuètes et là, il veut partir. Mais il ne peut plus partir. Il a beau voir le chasseur arriver, je ne me ferai pas l'imitation du singe, il va commencer à crier, mais il tient tellement à sa cacahuète, il tient tellement à sa pinotte, qu'il va s'agiter. Et comme chrétien, on est là, puis on tient des choses dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. On affectionne des choses qui sont illégales devant Dieu. Pas au niveau des lois gouvernementales, des hommes, des normes morales de l'humanité. Devant Dieu, c'est illégal. Il est mort pour ça, puis on va rendre compte pour ça. Puis le diable, il a juste à venir. Puis là, dans notre chrétienté, on pense qu'on est libre. Mais à chaque fois que tu veux aller plus loin, à chaque fois que tu veux faire, tu veux grandir dans ta foi, puis là, c'est comme, t'es pris à la gorge. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Jésus arrive avec une solution qui s'appelle la repentance. Parce que le seul moyen, Jésus a tout accompli, mais le seul moyen de s'en sortir, c'est de relâcher. La repentance ou la conversion, ce n'est pas seulement un demi-tour vers la direction de Jésus, ce n'est pas un retour seulement, ça ne suffit pas. Là, si je veux faire un retour, je suis en retour. Mais tant que je ne lâche pas, je suis pris. C'est un retour avec un renoncement. Je sais aussi qu'il y a des études, j'ai lu là-dessus aussi sur
des études dans le cerveau qui se font des dépendances au niveau du chimique du cerveau. Et puis c'est, ça devient biologique, la dépendance est tellement forte. On sait, exemple, que la pornographie sécrète une hormone, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui est au même titre que la cocaïne, et ça crée, je sais tout ça, les changements biologiques, les changements chimiques. Je suis au courant de tout ça, mais je suis au courant qu'il y a une nuée de témoins qui pourraient descendre, et vous-même, plusieurs d'entre vous, pourraient se lever ce matin et dire, « T'as raison, Pasteur Phil, moi non seulement j'ai été libéré de la puissance du péché, mais j'ai même plus le goût d'y toucher. » J'ai même plus le goût de retourner là, j'ai même plus le goût. Je sais tous ces raisonnements et ces réalités qui sont là dans le monde psychologique et dans le monde biologique, mais je sais par-dessus tout que j'ai un Dieu qui surpasse toutes ces lois-là. Et aujourd'hui, il régénère, aujourd'hui, il guérit, aujourd'hui, il sauve, aujourd'hui, il libère, aujourd'hui, il te donne un nouveau fonctionnement d'habitude, aujourd'hui, il fait. Mais pour ça, il faut renoncer, lâche et avance-toi. Et moi, ce matin, je vais m'avancer. Est-ce qu'on peut s'avancer? On peut commencer à sauver. Lâche et cours dans la carrière. Cours dans l'appel que Dieu t'adresse. Il y a des appels qui sont bloqués ici. Et puis, je ne parle pas d'appel au ministère hein, seulement. Oh, le ministère, moi, ce n'est pas le ministère. Non. Je ne parle pas d'appel au ministère. Des appels à être des vrais chrétiens, des vraies chrétiennes dans notre génération. Parce que la Bible, à d'autres endroits, vont dire, je t'appelle à la sainteté. Voici ce dont à quoi je t'appelle. Je vous le dis, si aujourd'hui on a tous besoin de relâcher quelque chose, si aujourd'hui on met notre orgueil de côté, si aujourd'hui tu as soif de plus de Dieu, tu as soif d'entendre sa voix comme au premier temps ou comme pour la première fois, tu as soif d'être rempli du Saint-Esprit, tu as soif d'expérimenter sa présence, alors renonce, avance-toi et je déclare qu'il y a une vie nouvelle qui commence pour toi aujourd'hui. Ou qui reprend comme ça faisait longtemps dans ta vie que tu n'as pas existé, tu n'as pas expérimenté.